Je plie d'abord le coin, ensuite je fais quoi? Tu replies l'autre. Ah, oh là, tu peux m'aider? Le mien, ça soulève sans arrêt. Tu te débrouilles très bien, tu replies les coins en arrière. Et maintenant, tu tournes le papier et tu replies de nouveau les coins vers le centre. Oh, ah, c'est trop dur, je laisse tomber. Ah, tu sais, je rêve d'un monde merveilleux où tout ce qui existerait serait fabriqué en papier. Ah oui, ce serait rigolo. Dans ce cas, allons-y. D'accord, on va bien s'amuser. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel, nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Ah, tu ne trouves pas ça magnifique? Tout un monde de papier. Exactement comme tu en rêvais. Regarde ça, un cheval de papier. Wow, regarde là-haut, un signe de papier qui vole. Wow. Voilà, ça devrait tenir. C'est du beau travail. Il reste plus que la peinture. Pas de problème. Je me demande ce qu'ils bâtissent comme maison. Bonjour vous deux, je vous emmène. Ah oui, merci. Youhou. C'est vraiment drôle, j'aimerais pouvoir rester ici toute ma vie. Oui, mais je me demande si on peut trouver de quoi se nourrir. Oh, tu ne penses pas déjà à manger, dis-moi Kitty. Mais bien sûr que si, c'est bientôt l'heure du goûter. Tu tiens ce panneau bien droit pendant que je plie celui-ci. D'accord. Ça alors, tout le monde semble passer son temps à travailler. Je vois ça, il n'arrête jamais. Voilà les filles, on y est. Vous êtes arrivées dans votre propre royaume de papier. Quoi? Je ne comprends pas. Bon, je vous explique. C'est un endroit spécial décoré avec tout ce que vous avez déjà fabriqué en papier. Hé, hey, mais c'est vrai. Voici l'oiseau que je viens juste de finir. Et ça, c'est mon avion. Eh oui, c'est bien celui que tu as laissé tomber tout à l'heure. Tu te rappelles, Kiki? Tu as dit que c'était trop dur. Mais vois le bon côté des choses. Terminer quelque chose de dur est un défi et cela peut être très gratifiant. Oh, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, mais je suis sûre que c'est vrai. Je peux essayer de le refaire? Bien sûr. J'avais abandonné mon avion parce que j'étais furieuse et déçue. Mais c'est peut-être toujours ainsi quand on relève un défi. Exactement. Mimi, on va faire les plus beaux avions de papier de toute la Terre. D'accord. Génial, si vous avez besoin d'aide, je suis là les filles. D'accord, au travail. Tu plies le papier avec soin. Comme ceci. Parfait. Tu vois bien que tu y arrives. Je crois que j'ai compris. Quand ce sera fini, on verra lequel de nos avions vole le plus vite. D'accord. Je parie que le mien sera le vainqueur. Moi, je crois qu'ils sont aussi bons l'un que l'autre. Et voilà! À vos marques! Attention! 1, 2, 3, partez! Vas-y, le rose! Plus vite, le jaune! Oh non! Oui, le jaune est toujours en l'air! On aimerait faire quelque chose de différent. Eh bien d'accord, vous voulez faire quoi? Un bateau. Mais si on veut faire marcher nos bateaux, il faudra les mettre dans la rivière. Ils vont flotter? Ça je ne sais pas. Vous vous débrouillez très bien. Ils devraient flotter. Prête à mettre ton navire à l'eau? Oui, allez, c'est parti. À vos marques, attention, partez. Regarde comme ils naviguent bien. Waouh, c'est fantastique. Youhou, youpi, ils ne coulent pas. Super, on a gagné toutes les deux. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fabrique? Si on faisait quelque chose de très différent, des fleurs par exemple, ça te plairait? Bien sûr que oui. Tu sais bien que j'adore les fleurs. Je vais commencer par une marguerite rose. Vous êtes drôlement douée, dites donc. Merci. Qu'est-ce que tu en dis? Excellent. Moi, je ferais bien des fleurs de papier toute la journée.
Moi aussi, j'ai une idée. Si on faisait tout un jardin de fleurs. Ah oui, super. Devine ce que j'ai fait. Une fleur qui est capable de tourner sur elle-même. Tu as fait une fleur qui bouge? Oui. Plante-la vite dans le jardin. D'accord. Et voilà. Moi, j'aime bien les choses qui bougent. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un ouragan. Mais il faisait beau il y a une seconde. Oh là là. Je te dis, accroche-toi à moi et ne me lâche pas. C'est la première fois que je vois le vent souffler aussi fort. Oh non, nos pauvres petites fleurs. J'ai peur des coups de tonnerre. Et moi, j'ai peur des éclairs. Ne vous inquiétez pas, ça va bientôt se terminer. Du moins, je l'espère. Quelle catastrophe. Est-ce que cela arrive souvent? Une fois de temps en temps, une tempête se lève et elle balaye tout ce qu'on a. Alors il faut que vous bâtissiez une ville qui résiste à la tempête. Vous avez du papier plus solide? Oui, dans la fabrique de papier. Génial, on y va tout de suite. Waouh, je n'avais jamais vu de morceau de papier aussi grand. Oh là là, moi non plus. On commence par quoi? Oh, je sais! Nous allons bâtir un magnifique château. Un château? Mais comment? Je ne sais pas faire les châteaux. Bon, je vais vous aider. On va bâtir un grand château pour y abriter une belle princesse et son prince charmant. Si tu peux nous aider à le dessiner, nous on fera le reste. D'accord, Kitty, je veux bien. Mais il ne faut pas abandonner en cours de route. Oui, monsieur, c'est promis. Cette fois, je continuerai jusqu'à ce que le château soit terminé. Tu en es bien sûr? On n'a jamais fait de château. Je sais que ce sera dur, mais c'est ce qui est drôle dans un défi. D'accord. Alors, vite au travail! C'est très bien! Tu le plies jusqu'à l'autre bout! Attention! 1, 2, 3! Maintenant, tu coupes ce morceau en deux! Parfait! Ça devrait tenir! Quelle merveille! C'est bon! On est les meilleurs! C'est fantastique! Waouh! C'est un château de contes de fées! Je n'ai jamais rien vu d'aussi somptueux. On ne croirait jamais qu'il est en papier. Et maintenant, le prince et la princesse vont se marier et avoir beaucoup d'enfants. Au revoir, mon beau château de papier. Au revoir. Tâche de bien résister au vent. Au revoir, au revoir. Et merci de nous avoir aidés. Au revoir et bon voyage. À bientôt, on reviendra te voir. Au revoir. On rentre à la maison? Oui, on rentre. Et le prince et la princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour dans leur magnifique château de papier. Et puis un jour, le prince fut couronné roi et la princesse Kitty devint reine. Le prince charmant et la princesse Mimi dansaient et s'amusaient tous les jours dans leur beau château de papier. Et ils vécurent heureux de très longues années.